Son enfance à Amqui et son père marchand général. Marcel Rioux évoque un passé encore récent. Un passé un peu nostalgique, celui des soutanes et des collèges classiques. L'anthropologue parle de l'île verte et de son habitant. L'habitant québécois qui ressemble étrangement au campanero mexicain. Le sociologue, lui, veut être critique de la société qu'il habite, celle de ses contemporains. Il est frappé par l'aliénation que secrète cette société. Il propose d'utiliser les puissances du rêve, celles de la fête et du jeu, pour réactiver l'imaginaire et dégager les possibles. Cité libre, parti pris, possible, Marcel Rioux raconte son engagement successif dans ses revues qui ont représenté la pensée critique au Québec. Il nous parle de l'idée d'un pays et nous trace la figure d'un Québec indécis, divisé entre sa tradition rurale et sa vocation urbaine, cherchant toujours son identité. Là, vous me parlez de mon village. Alors, je me reporte à des années très lointaines où je vis dans ce village. Et quand j'ai fini ma vie au village, mon père, qui avait de l'ambition pour moi, m'a envoyé au séminaire de Rimouski. Mais au séminaire de Rimouski, encore là, c'était un univers assez clos. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, nous vivions dans J'étais pensionnaire pendant 7 ans. Bien sûr, bon, on s'intéressait à des choses, on n'avait pas le droit trop de s'intéresser à l'actualité parce que l'actualité déforme et nos maîtres étaient des humanistes qui nous ramenaient au gréco-latin, au siècle classique. Pas beaucoup de romantisme, c'est pas parce que ça commençait déjà à devenir suspect. Alors, disons que il y avait une clôture. J'étais jamais allé à Québec ni à Montréal. Et la première fois que je suis sorti, justement, c'est après mon cours classique pour aller faire de philosophie à Ottawa, chez les Dominicains, d'après, si vous voulez, cet excellent évêque qui est passé un peu distant, M. Courchain, qui était à Rimouski et il choisissait de temps en temps des étudiants qui croyaient assez doués pour aller poursuivre des études d'abord de philosophie thomiste à Ottawa, qui était le centre, bon. Et bon, voilà, c'est comme ça un peu que ça s'est passé. Mais, dans le fond, c'est au moment de la prise des rubans. C'est une cérémonie qui n'existe peut-être plus. Mais à la fin de son cours classique, à un moment donné, quelqu'un dit il faut que vous choisissiez quelque chose. Hein? Alors, et je crois être le premier, je ne sais pas s'il y en a eu après moi, à apprendre le journalisme. Parce que les choses du monde m'intéressaient, et puis, bon, dans mon milieu, je suppose que je croyais à ce moment-là que c'est par le journalisme qu'on pouvait aborder ces problèmes de la société et du monde, si vous voulez, parce que, bon, on lisait quand même des journaux, quelques journaux, et il y avait dans ce temps-là des curés qui revenaient d'Europe, qui avaient fait des études et qui rapportaient des livres, alors, bon... qui nous prêtait, et à ce moment-là, moi, quelquefois, j'attrapais des pénitences, ou des punitions, n'est-ce pas? Et j'aimais ça parce que j'ai passé ces temps de pénitence dans la chambre d'un curé qui était très bien pourvu de volume, alors là, je disais à peu près tout. Et il m'était apparu, ma foi, que c'était le journalisme qui faisait, si vous voulez, le poids entre une action et un savoir. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais autant préoccupé de l'action, parce que le journaliste a une action dans la société, surtout si on est élevé avec, vous savez, des éditoriaux de Bourassa, d'Olivier Asselin, du Canada dans le temps. Et il y a aussi un savoir que vous recueillez. Bon, alors c'est pour ça que j'ai pris le journalisme, mais je n'en ai pas fait professionnellement, parce que, bon... j'ai commencé ensuite, j'ai été, selon les avis de Mgr Courchain, à Ottawa avec ce qu'on appelait les gros dominicains, le Père Régis, le Père Mailloux, qui sont devenus célèbres dans notre Landerneau, quelques temps plus tard. Alors, il y avait le Père Desmarais aussi, qui était là. Alors. Et ces dominicains n'avaient pas déménagé encore à Montréal. Alors, nous étions quelques-uns, Maurice Lamontagne qui est maintenant... Dieu est son âme, sénateur libéral à Ottawa,
et Maurice Tremblay de Laval, qui a fait sa carrière au département de sciences politiques. Alors nous étions quelques-uns comme ça, et c'était très, très curieux parce que nous suivions les cours des Dominicains. Et en avant, il y avait une rangée de serviettes en noir. Et ensuite, il y avait des rangées de blancs. C'était les Dominicains, et derrière, il y avait multicolores, les laïcs avec des cravates un petit peu bariolées. Ça commençait déjà peut-être un peu la mode. En quelle année? Ça, c'était dans l'immédiate avant-guerre, c'est-à-dire c'était en 1939. Et bon, là, j'ai fait de la philosophie, mais après ça, bon, mes parents et d'autres m'ont fait comprendre que ça ne menait pas loin. Philosophie. Et la philosophie avait probablement connu ses plus beaux moments parce que elle était en train, je crois, comme savoir privilégié d'être remplacée justement par la sociologie, les sciences sociales, parce que la philosophie avait eu très mauvaise fréquentation. La philosophie s'était coquinée avec la théologie, avec des valeurs morales un peu dépassées. Et vous avez eu, si vous voulez, un bas dans la philosophie, une baisse, si vous voulez, dans... Et je crois que déjà à ce moment-là, avec la fondation de l'école des sciences sociales à Laval, par un dominicain d'ailleurs, philosophe et théologien qui avait mal tourné, m'a dit M. Mainville, directeur des hautes études plus tard, qu'il n'approuvait pas du tout ces recherches que l'on faisait, comme si nous ne savions pas la vérité, d'une façon infuse, divine. Et à ce moment-là, bon, je suis venu ici à Montréal et j'ai fait des études. Bon. Qu'est-ce que vos parents ambitionnaient pour vous? Eh bien, ma mère, comme toujours, comme c'était le cas, quelqu'un qui allait au séminaire, elle voulait que je fusse curé. Mais à certains signes, à certaines fréquentations, à certaines... photographie, à certains signes qui ne trompent pas, en tout cas, elle m'a dit « Peut-être que tu n'as pas la vocation, après tout. » Et bon, mais il fallait que je fusse instruit et que je continuasse mes études. Et je me souviens, en versification, j'avais des velléités de quitter le collège et mon père avait fait le voyage d'Amkou à Rimouski pour me dire « Mon gars, ça te prendra 25 ans, mais tu vas le faire, ton cours classique. Sors-toi de l'idée que tu peux arrêter, puis dis, plus vite tu le feras, plus vite tu sortiras. » Alors j'ai dit, c'est comme ça, on va finir ça. Et bien, j'ai fini mon cours classique à Rimouski. Donc, vous me dites que vous étiez aux études à Montréal. Oui. Qu'est-ce qu'on étudiait à Montréal? À Montréal, assez curieusement, là, il y avait des choses qui se sont passées, bon... il y avait l'argent pour continuer ses études. J'avais déjà été à Ottawa, et puis il fallait choisir. J'étais devenu amoureux, donc pensant plus ou moins choisir un métier ou une profession qui me fasse gagner de l'argent, j'ai fait des hautes études. Bon. Et je continuais sur le pouce, si vous voulez, ou à la sauvette, à lire de la philosophie, de la littérature, et même à suivre un certain nombre de cours de philosophie. Et, bon, la guerre s'était déclarée entre-temps et je ne pouvais pas continuellement, si vous voulez, changer de faculté. Après les hautes études, après la philosophie. Alors là, je me suis marié en 1942 et j'ai été obligé d'être fonctionnaire au... j'ai été fonctionnaire à Ottawa, j'avais épousé une fille d'Ottawa et j'avais épousé la fille du premier anthropologue québécois qui s'appelle Marius Barbeau. Et avec M. Barbeau, j'ai fait de l'anthropologie à la sauvette pendant tout le temps de la guerre. Après la guerre, M. Barbeau, avec ses relations, s'est arrangé pour me faire obtenir une bourse du gouvernement français. Et je suis allé faire de l'anthropologie à Paris, au Musée de l'Homme, et au Centre d'études de sociologie de Gourvet, etc., fréquentant tout ce qui pouvait à ce moment-là. C'était en, je parle de 46, 47, 48, hein? Alors, à ce moment-là, bon, je fais le Musée de l'Homme, je suis aussi les cours de Griot, qui est un africaniste, qui ne venait pas au Musée de l'Homme parce qu'il était fâché avec Rivet, le directeur du Musée de l'Homme. Et je suis Gourvitch aussi à son centre sociologique, alors je connais des gens. Et
bon, je reviens, et encore par mon beau-père, qui m'aimait bien, et qui me fait entrer au musée national, dans le temps, à Ottawa, comme anthropologue. Et j'entre au musée en 1948, je crois, et je passe 11 ans au musée comme anthropologue de terrain, et là, je fais des études de terrain, j'écris des monographies, je m'intéresse à la théorie, et bon. Qu'est-ce que vous avez découvert à l'île Verte? Ben, c'est-à-dire, j'avais un peu une idée d'ethnologue, si vous voulez, en allant à l'île Verte. Je pensais que si je prenais le Québec par son bout le plus simple, n'est-ce pas, le plus archaïque ou le moins complexe, n'est-ce pas, suivant en cela Mauss qui disait... le système digestif d'une amibe est peut-être plus facile à étudier que celui d'un éléphant. Hein? Alors, on va commencer par l'amibe, alors je vais rester en tête. Et bon, j'avais dit, on commence à ce bout-là, puis on va voir comment la société se complexifie. Hein? Et l'île Verte, vous savez ce que c'est, il y avait 325 habitants dans le temps, et des pêcheurs, bon. Et déjà, j'avais des idées je crois, en tout cas, d'interdisciplinarité, puisque je suis allé là avec un poète, un sociologue, moi qui étais anthropologue, et une psychanalyste qui faisait du Rorschach. Alors, on a fait pas mal de choses, et puis bon, on a publié ce qu'on a pu. Moi, j'ai pu donner une monographie sur l'hiver. Mais ça m'a confirmé dans une espèce de vocation qui était celle de connaître les gens, les laisser parler, les faire parler, et essayer aussi d'interpréter le plus globalement possible, n'est-ce pas, tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, c'était pas... Bon, l'économie de l'île, bien sûr, bon, la sexualité, la religion, le folklore, et essayer de voir comment tout ça se tenait ensemble, si vous voulez. Et je crois aussi que ça faisait partie, ça a toujours fait partie, plus ou moins, de la tradition anthropologique monographie monographique de l'anthropologie, d'étudier, si vous voulez, des totalités. Bon, évidemment, si vous travaillez en milieu non occidental ou plus simple ou tribal, à ce moment-là, vous avez des unités assez fermées, si vous voulez. Mais la méthode, je crois, a été transposée ou transportée, si vous voulez, dans ces communautés rurales qui vivent en symbiose avec la ville. D'ailleurs, je pense que plus tard, Miner en parlera quand il étudiera Saint-Denis de Kamouraska. Mais de toute façon, c'est cette idée, si vous voulez, de totalité, cette idée d'inter-influence entre les phénomènes ne m'a jamais quitté, vous savez. Et je crois qu'aujourd'hui, si on se permet de faire des sauts dans l'histoire, oui. Alors que je crois que les plusieurs analystes recherchent maintenant cette totalité perdue devant un émiettement de plus en plus grand, si vous voulez, non seulement de la société, de la culture, mais aussi du savoir, n'est-ce pas? Je crois que l'anthropologie est peut-être la seule discipline qui étudie le social historique à ne pas avoir trop émietté son sujet, c'est-à-dire essayant de tenir les deux bouts, si vous voulez, entre biologique et ce que Marcel Mauss appelait le mélanésien concret là-bas sur son île. C'est ça qui est important. Voilà aussi une totalité. Alors, bon, je pense, en tout cas... que je n'ai jamais, bien qu'ayant eu des mauvaises fréquentations en sociologie, je n'ai jamais tout à fait perdu, si vous voulez, cette idée de totalité, n'est-ce pas? Et c'est peut-être, et là, encore une fois, je saute des bouts, ce qui m'a fasciné dans la nouvelle culture, c'est cet essai de reglobalisation, de retotalisation de l'homme, si vous voulez, par toutes sortes de moyens, bien sûr, les uns peut-être aberrants, mais il y a là, pour moi, un désir ou une recherche de retotalisation d'un homme émietté, éparpillé,
Et ça m'a toujours intéressé. Vous me parlez d'un homme émietté, éparpillé, d'une totalité brisée. J'aimerais que vous me disiez comment est-ce que vous avez découvert cette réalité fracturée, vous, Marcel Rioux. Ouais, je pense, et là je fais de la rétrospection, oui. Je pense que, vous savez, venant d'un petit village où je connaissais tout le monde parce que je travaillais chez mon père qui vendait à peu près à tout le monde, dans le village. Et je me souviens quelquefois le soir en couchant, mon frère et moi, mon frère plus jeune, on se disait, tu vas me décrire telle maison. Mmh. Es-tu déjà entré? Bon. Et il s'agissait de savoir qui connaissait mieux les maisons des gens, vous savez, parce qu'on allait porter des provisions, c'est-à-dire on allait porter, si vous voulez, des commandes. Alors, et puis dans un village, vous savez tout ce qui se passe. Et ça m'a toujours un peu presque choqué, n'est-ce pas, de rencontrer ensuite des gens qui ne connaissaient pas les autres et qui ne savaient pas ce qui se passait. Et j'ai fait une expérience assez extraordinaire. Bon, beaucoup plus tard, j'étais dans un village à Gascon, Gascon-Ouest, à Nans-à-la-Barbe. J'ai écrit un livre là-dessus, une monographie. Ou, si vous voulez, je faisais des... je faisais l'anthropologie un peu comme tout le monde, mais je faisais, si vous voulez, une espèce de sociométrie. Je restais dans ma maison que j'avais louée là, et je regardais les gens aller. Et il était rare que je ne savais pas où allait et pourquoi Madame X ou Monsieur Y, n'est-ce pas? Mais quand on vous, à deux jours d'intervalle, quand vous êtes catapulté au coin de Pille et Sainte-Catherine à Montréal, vous devenez fou. Parce que vous regardez les gens, vous dites, où est-ce qu'ils vont? C'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, cette presque fraternité, cette sociabilité, où il n'y a presque pas d'écran entre les gens. Pas? Et je me suis rendu compte, si vous voulez, même à Lance-à-la-Barbe, à Bellance, en Gaspésie, quand les gens reviennent de Montréal, ils sont du pays, ils reviennent visiter les gens, mais il y a un écran. Ils disent, qu'est-ce qu'ils font à Montréal? On ne sait pas trop. Tandis que à Gascon, on sait tout. Et j'écrivais la préface l'autre jour d'un volume où je racontais justement qu'un jeune homme, le soir, allait, avec la bénédiction de ses parents, faire du carreau. Ça voulait dire ça, qu'il allait voir par le carreau ce qui se passait chez les autres. Parce qu'il faut tout savoir des gens, il faut... Hein? Et j'observais aussi une espèce de communauté de biens, sinon de communautarisme, de communisme. Les gens se fâchant presque parce que Lydia avait laissé geler sa pompe. C'était la pompe de Lydia, mais cette pompe était dans le village et les gens disaient, comment ça se fait qu'on perd une pompe? Ouais. C'est la solidarité, la sociabilité... Et il y a une vie qu'on vit en commun. Alors, ça m'a toujours un peu scandalisé, si vous voulez. Ça, c'est au niveau de la sensibilité. Bien sûr, ensuite, vous faites des analyses et puis vous regardez... Ensuite, on fait la sociologie. Ensuite, on fait la sociologie, peut-être bien. Pour savoir comment recomposer cette totalité. Oui, et comment c'est arrivé là et ce que ça donne, et, etc. Ou alors... À ce moment-là, on fait des choses un peu curieuses, alors que les marxistes orthodoxes disent que c'est l'exploitation qui est le caractère distinctif de la société capitaliste. Moi, dans le dernier livre, je parle de l'aliénation, que j'appelle aussi séparation. Hein. Oui. Et disons que c'est des idées qui sont autant liées, disons, à une démarche intellectuelle et aussi à une... peut-être à une sensibilité blessée, si vous voulez. Vous savez, moi, je dis toujours, je suis un vieil habitant qui... Et l'habitant, il... Et l'an dernier, c'était très curieux, je donnais des conférences à une université canadienne dans l'ouest du Canada, et je parlais de l'habitant. Vous savez, quelqu'un me posait des questions, et il y avait un spécialiste dans la salle du Mexique. Et il m'a dit, ah, c'est le campanero.
Et là, on s'est mis à parler, il m'a invité à dîner chez lui, le campanero, puis notre habitant, il y a des similitudes extraordinaires. Non? Et on est resté ça, on est resté tricoté assez serré, puis c'est une société qui n'est pas... qui n'est pas très érodé ou érodé, pas érodé jusqu'à la trame. Vous m'avez parlé de l'habitant, puis vous m'avez parlé aussi de votre désir d'être habitant. Hein? Mmh. Bon. Il me semble que ce désir-là, il est aussi présent chez beaucoup d'hommes du 19e siècle, puis chez beaucoup de personnes qu'on nomme intellectuelles, il y a toujours ce désir qui fait surface quand on se met à parler avec eux. Je voudrais être un habitant, mais je suis un intellectuel. Je me demande à quoi peut tenir cette nostalgie. Oh, je ne sais pas. Je me suis posé la question quand j'ai écrit Les Québécois. Et, oui, question d'identité. Bien sûr. Et à la fin du volume, ben, j'ai dit, il y a peut-être un personnage privilégié dans tout ça, c'est l'habitant. Je sais pas, peut-être que d'autre part, j'ai des côtés plus raisonnables en disant, ça c'est de la nostalgie, c'est du romantisme. Mais à d'autres moments, je me dis aussi, qui est-ce qui ne rêve pas de cette paix, de cette sérénité, peut-être que là, c'est romanesque ce que je dis là, parce que c'est pas toujours la paix, la sérénité, mais c'était parti d'une spontanéité, de communication, n'est-ce pas, qui était empreinte de sincérité justement et de peut-être que si on fouille trop cette question-là, ça, je ne saurais dire, je ne me suis jamais analysé. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai été élevé à la campagne, que j'ai toujours essayé de vivre en dehors de la campagne. Peut-être que si j'ai fait de l'anthropologie, c'était pour sortir des villes puis m'en aller dans des petites îles ou chez des habitants que j'aimais beaucoup, que j'ai toujours aimé, les pêcheurs. Hein? Et peut-être que, si vous entrez dans des questions que je voudrais bien traiter, mais qui nous mènerait très loin. Pourquoi, par exemple, avec des amis, on a voulu reconstruire un village quelque part, hein? pour cette richesse des relations et cette sociabilité que, surtout à Montréal, vous n'avez pas beaucoup, parce que vous avez des amis qui habitent à Rive-Sud, vous en avez d'autres qui habitent dans le Nord, vous en avez d'autres qui habitent... Et c'est très, très curieux. On a constaté ça l'autre jour dans un colloque pour lancer le livre de Mesdames, Alain Mesdames, Montréal, ville interdite. On s'est rendu compte que il n'y a pas beaucoup de Montréalais à Montréal. Soit qu'ils viennent de la campagne puis ils retournent, soit qu'ils habitent une campagne pas loin. Et de sorte qu'il y a un sacré paradoxe, là. C'est que les Québécois qui font de la politique québécoise au niveau national d'une façon ardente et extraordinaire, à Montréal, ils s'en fichent. Alors, ici, on élit, si vous voulez, des représentants pour le tiers, sinon la moitié du Québec, si on prend. Mais on est tellement axé sur le national qu'on... En tout cas, pour toutes sortes de raisons, mais là, ça nous mènerait loin. Bon, Monsieur Rioux, parmi les travaux que vous avez faits, je sais que vous avez collaboré, vous avez démarré plusieurs revues. Cité libre, socialisme, et 65, 4, ouais, 6 et 7, ouais. Puis maintenant possible. Ouais. J'aimerais que vous me parliez de ce travail que vous faites dans les revues. Bien, voyez-vous, ça fait partie de ma croyance que ce qu'on peut acquérir de savoir, on doit le partager, on doit aller le chercher d'abord chez les gens, ensuite le diffuser. Comme anthropologue, on va chercher parmi les gens dans des enquêtes. Et, si on part de Cité Livre, à ce moment-là, Trudeau était à... fonctionnaire à Ottawa, on se voyait beaucoup, et l'idée de faire une revue s'est présentée. Alors, nous avons fondé tous ensemble Cité Libre en 1950. Et sans trop vouloir nous flatter,
Je crois que nous avons accompli une certaine tâche, c'est-à-dire que nous écrivions sur le Québec contemporain, nous essayons de cerner les problèmes. Au début, le tirage était très restreint, mais c'est ce genre de revue qui avait des intercesseurs dans plusieurs milieux, si vous voulez, et qui a eu en tout cas une certaine influence, je dirais. Et bon, nous avons fait ça tant bien que mal. À ce moment-là, il s'agissait plutôt de contester les pouvoirs établis, les idéologies traditionnelles, le pouvoir de Duplessis, de l'Église, etc. Et nous avons poursuivi ce travail. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au début des années 60, quand tout s'est mis à changer, là, il y a eu une rupture, si vous voulez, avec Trudeau. Et pendant un certain temps, on écrivait dans d'autres revues, Situation, ou d'autres revues peut-être dont j'oublie le titre. Et vers 64, je crois, nous étions réunis avec le groupe de Parti pris pour nous demander quelle sorte de revue nous allions faire. Et je me souviens fort bien d'un soir où ceux qui étaient dans l'équipe de rédaction de Socialisme, notre revue, et ceux qui allaient devenir aussi Parti pris, nous sommes rencontrés et nous avons convenu d'une façon très amicale de nous partager des clientèles. Et je dois dire, sans amertume aucune, parce que j'ai écrit l'autre jour une grande préface sur Parti pris, pour un ouvrage sur Parti pris, que Parti pris a eu le haut du pavé. C'est que Parti pris a eu beaucoup plus d'influence, était beaucoup plus connu, a été, si vous voulez, le Cité libre des années 50. Hein. Mais, et nous avons fondé, avec des syndicalistes, nous étions plutôt du côté des syndicalistes, avec des représentants de la FTQ, de la CSN du moment, Boudreau, Martel et d'autres, Lheureux et... nous avons fondé, donc, Société 64. Mais encore là, il y avait l'idée chez nous, avec mon collègue Daufny, par exemple, de nous démarquer par rapport à Cité libre, qui continuait tant bien que mal à paraître, qui a dû tomber vers les années 64, par la 63-64, c'est à l'époque de Vallière, de Gagnon, etc. Et de faire passer, si vous voulez, un stade à la société québécoise. On gagne en 60, bon, la révolution tranquille en marche. En 61, on fonde le mouvement laïque, et ce qui m'a valu, si vous voulez, de me séparer d'anciens amis de l'Institut canadien des affaires publiques et de Cité libre, parce qu'on disait, bon, il faut, maintenant qu'on a un peu de pouvoir politique, il faut, à ce moment-là, chasser le cléricalisme, mais on fonde le mouvement laïque dans le français. Deux ou trois ans après, on fonde Socialisme 64. Bon, qui a duré, qui a changé de directeur et qui est mort de la main de certains gauchistes, et j'en connais, qui ont fait mourir trois revues au moins, c'est pas dans des querelles absolument théologiques sur les textes fondateurs, n'est-ce pas? Bon. Et il est arrivé que plus tard, voulant encore marquer un certain passage ou évolution de la société, certains amis avons fondé la revue Possible. Mais la revue Possible, à ce moment-là, c'était l'idée, justement, qui, pour moi, au niveau théorique et au niveau pratique, reste une notion ou un concept très important. Entre ce qui est et ce qui doit être, ce qui est, c'est la science positive, ce qui doit être, c'est la morale. Il y a un entre-deux, le possible, dont Bloch dit qu'il n'a pas été assez développé. Et il m'apparaît que dans un mode de production en transition, une société qui veut naître, qu'on doive s'axer là-dessus. Et on a toujours voulu, si vous voulez, faire de cette revue une revue qui ne soit pas de sociologie ou une revue dite... savante, mais une revue, si vous voulez, qui aussi publierait des œuvres de création,
De la poésie, on a publié assez volontiers des nouvelles quelquefois. Et essayer, si vous voulez, de réunir tous ceux qui font apparaître. Je crois que le poète fait apparaître des possibles. C'est-à-dire que le poète dit des choses et décrit des mondes ou des sentiments qui ne sont pas encore, qui sont... Et je crois que c'est le rôle de l'art de dévoiler, si vous voulez, la réalité sous-jacente ou d'autres réalités que nous appelons des possibles. Alors, je crois que personnellement, si vous regardez les 7 sociologies critiques et possibles, il y en a un qui est écrit, et le livre est écrit dans une langue plus ou moins ésotérique ou intellectuelle. Et l'autre, c'est un autre mode de communication. C'est une langue beaucoup plus près de la langue de tous les jours. C'est quelque chose qui va pénétrer ou qui pénètre dans des milieux différents. Mais tout ça, n'est-ce pas, me semble-t-il, en tout cas, partant de la même idée de l'exploration des possibles dans une société en transition. Et encore une fois, je pense être fidèle à l'idée que la pratique ou les pratiques ont une plus grande valeur que chez les maîtres penseurs, vous voyez, qui annoncent les prophéties et le peuple doit se conformer. C'est-à-dire qu'on dit voilà le sujet historique, voilà ce que vous devez faire, de faire la révolution demain, et en cas de pluie, c'est remis à la... au dimanche suivant, si vous voulez. Mais il y a cette idée, si vous voulez, et je crois que en tout cas, me semble-t-il, que je garde ça de l'anthropologie, où on écoute le monde. Parce qu'il m'est arrivé quelquefois d'amener sur le terrain des collègues sociologues, et c'est pas possible, ils disent la vérité aux paysans. Et vous avez certaines personnes aussi qui peuvent pas s'empêcher de dire la vérité au monde. Alors que, si on est là comme étudiant de social historique, il faut l'interroger, puis il faut l'interroger dans ses témoins, puis il faut les regarder faire souvent, parce que je suis de plus en plus convaincu, si vous voulez, que le faire, contrairement au dire, peut avoir beaucoup plus, en tout cas, mériterait qu'on y attachât beaucoup plus d'importance, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a Guillaume qui dit, je trouve ça très juste, et je cite dans un article que je viens d'écrire, c'est que les bureaucraties non sophistiquées, ou moins sophistiquées que les nôtres, disaient le besoin. Maintenant, on fait dire le besoin aux gens. Mais on reste toujours dans le besoin, n'est-ce pas? Et le besoin est quantifiable et mesurable, et, tandis que le désir ne l'est pas. Mais le désir, on laisse ça aux psychanalystes, n'est-ce pas, pour guérir le monde de leur désir, pour les remettre dans le circuit de la production, bien enficelé, puis tout ça. Alors voilà ce que va dire des revues. Vous venez d'écrire un essai de sociologie critique, puis vous parlez dans cet essai de 3 voies d'explication à la sociologie. Mm-hmm. Pouvez-vous m'en parler un petit peu, s'il vous plaît? Je prends ces 3 voies, ou ces 3 points de vue sur le social historique, le point de vue positif, le point de vue herméneutique et le point de vue critique. Je ne cherche pas de querelle au point de vue positif. Il y a des gens qui comptent des choses, qui décrivent l'étang du mieux qu'ils peuvent. Il y a des gens qui interprètent, si vous voulez, les écrits, et remonte au texte sacré, l'exégèse, et la psychanalyse peut être, ce qui s'est passé dans votre... On cherche une vérité à restaurer, le texte qui a été corrompu, altéré, etc. Le point de vue critique, lui, veut unir, si vous voulez, les jugements de faits. C'est pas quelqu'un qui ne tient pas compte des faits, mais il tient compte aussi des jugements de valeur. Il les explicite. Il dit la couleur. L'annonce de la couleur. Et il n'est pas non plus imperméable à l'action. Alors, dans la sociologie critique, me semble-t-il, et dont Marx me semble être le grand fondateur, vous avez ces 3 choses-là. Marx était
comme vous le savez, est très bien au fait de l'économie du capitalisme, la société capitaliste. Il l'a analysée, puis c'est une œuvre. Bon. Mais d'autre part, il voulait la changer, il y avait des jugements de valeur. Et même quand il faisait son capital, on voit par ses, à tout le moins par ses, les lettres qu'il continuait d'écrire à ses amis, qu'il restait dans ses jugements de valeur. Bon. Et d'autre part, il ne se défendait pas de faire des choses, il voulait la révolution. Bon, alors, il y a ces trois choses-là. Bon, alors, la question que je me suis posée, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez ces trois ingrédients dans la sociologie critique, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que, bon, les contradictions sont économiques, est-ce qu'elles ne sont pas aussi culturelles? Est-ce que les analyses qu'on fait des sociétés, comment les interpréter, non seulement pour les décrire, mais pour voir les contradictions dans cette société, et cela fait comment vous essayez de dépasser ces contradictions avec le monde. Alors, à ce moment-là, on est amené, si vous voulez, je pense, à donner beaucoup plus de poids à la pratique que dans certaines traditions critiques. Je pense à l'école de Francfort, où, si vous voulez, qui reste très philosophique, et où le dire, le logos, n'est-ce pas, ou les maîtres penseurs, si vous voulez, disent ce qui va se passer et qui devrait se passer. Je pense que la sociologie critique, celle en tout cas que je préconise, est beaucoup plus modeste, parce qu'il s'agit d'élucider, si vous voulez, des pratiques émancipatoires ou des à côté, si vous voulez, de la critique proprement dite de la société. Il s'agit de voir ce qui veut naître, n'est-ce pas? Ce qui meurt, bon, ou ce que nous croyons qu'il est en train de mourir, ça fait partie, si vous voulez, de la partie critique. Hein? Oui. Et ce qui veut naître, ce sont les collectifs, les groupes qui posent des actions émancipatoires. Alors, il faut, me semble-t-il, aller chercher ces groupes-là et essayer d'analyser, si vous voulez, leurs pratiques pour préparer peut-être la voie à de nouvelles ruptures significatives dans cette forme culturelle qu'est le capitalisme, c'est-à-dire envisager du point de vue d'une sociologie critique dans la façon dont j'envisage. Alors, ces pratiques émancipatoires, combien la sociologie en a-t-elle identifié, M. Rioux, pour ce qui est de la société québécoise, du Québec? Est-ce que vous voyez le vent tourner? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui naît? Bon, écoutez, c'est le point chaud. C'est bien sûr que c'est beaucoup plus difficile de s'engager dans cette voie que je vous décris que d'avoir la Bible à côté de soi et de dire partout et toujours, sous toutes les latitudes, voilà la vérité et voilà ce que c'est que... Alors, à ce moment-là, il faut dire d'abord que le sujet historique, collectif historique qui va faire changer la société, n'est peut-être pas exclusivement, à coup sûr, à mon avis, le prolétariat. Donc, il y a d'autres groupes dans la société qui, dans leur vie quotidienne, ont provoqué ou provoquent ou vivent des ruptures significatives avec la forme culturelle du capitalisme, de la société ou du mode de production capitalisme. Bon, on n'a qu'à penser au travail, à la sexualité, à la religion, aux relations, si vous voulez, entre les hommes. Et ce qui m'apparaît très significatif et très important, c'est le rapport à la nature. Parce que, dans le fond, moi, je voudrais, à partir de maintenant, essayer de tenir les deux bouts. C'est-à-dire, je me suis mis à m'intéresser aux ruptures qui se sont produites dans le passage de la société pré-industrielle à la société industrielle et au capitalisme, n'est-ce pas?
Bon, alors à ce moment-là, on peut détecter, si vous voulez, un certain nombre de ruptures significatives. Bon, c'est un petit peu complexe, je ne crois pas que je vais entrer là-dedans. Mais, en tout cas, l'histoire ne se répète pas, je ne pense pas, mais il y a des processus, les événements, il y a peut-être des processus qui sont semblables. Et tenant les deux bouts, si vous voulez, de la chaîne, c'est-à-dire d'un côté, comment, par exemple, on a, en Angleterre, éradiqué la culture des populaires, si vous voulez, au profit de la culture bourgeoise qui allait devenir prédominante, qu'est-ce qui s'est passé et comment on l'a fait, hein? Et à l'autre bout de la chaîne, ceux qui sont en rupture de banc avec la société à l'heure actuelle. Et ceux qui sont en rupture de banc avec la société à l'heure actuelle, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce ne sont pas seulement les marginaux, les hippies, les farfelus, etc. Parce que, il me semble en tout cas, et dans le livre dont vous parliez tout à l'heure que j'ai écrit, j'ai donné deux exemples, celui de Dell, analysant les contradictions culturelles du capitalisme, et le livre de Lodge, sur la nouvelle culture, ou la nouvelle idéologie qu'il appelle, lui, qui est en train de naître aux États-Unis. Hein? Alors, à ce moment-là, bon, si vous mettez tout ça ensemble, vous avez à un premier niveau des ruptures significatives qui se produisent, me semble-t-il, dans les sociétés industrielles avancées, dont le Québec fait partie, bien qu'un peu à la traîne, à certains points de vue. Et il y a le point de vue spécifiquement québécois, hein, qui surdétermine pour moi les contradictions que les Québécois vivent en tant que membres, si vous voulez, d'une société industrielle avancée et en tant, si vous voulez, que premier voisin des États-Unis. Pour employer un langage d'habitant. C'est-à-dire oui. Que le complexe du premier voisin et le complexe du deuxième voisin étaient extraordinairement... deuxième voisin, c'est peut-être le Canada. Bon. Alors, à ce moment-là, bon, moi, j'essaie de tout mettre ça ensemble. Et puis, évidemment, c'est pas facile. Mais la recherche, ou en tout cas, ce serait absolument indigne, ou ce serait plate, donc il y a un mot québécois, si on avait toutes les vérités dans nos poches et dans notre bible. Vous disiez, il y a des choses qui vont naître, oui. Mmh. Oui, je les vois, je peux pas les identifier clairement, mais c'est là. Il y a un tas de choses qui meurent, puis ça, c'est plus évident. Tout le monde est un peu angoissé, on regarde les choses autour de nous périclitées, puis on dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? D'où va venir le salut? Bon. Puis, par rapport aux générations qui sont avant nous, ben, on se dit, est-ce qu'on doit attendre d'eux un changement positif, quel qu'il soit, puisque c'est ces mêmes personnes-là qui nous ont conduits à ce point-ci où nous sommes? Mm-hmm. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de leur expérience pour... C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, je poserai peut-être pas la question ou peut-être plus tard, si vous voulez, mais de ce point de vue-là, mais simplement pour essayer de faire un constat sur ce qui s'est passé au Québec durant une vingtaine d'années. J'imagine qu'il fut un temps au Québec où les gens, particulièrement, si vous voulez, sous Duplessis, le début de la Révolution tranquille, n'est-ce pas, avaient... rejetait le passé dans la mesure où ce passé-là, Duplessis l'incarnait d'une façon atroce et abominable et rétrograde. Bon. Et il fallait aller de l'avant. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont rompu avec le passé parce que le passé, c'était la religion, c'était le, tout ce qui était contraignant, etc. Mais il me semble observer de plus en plus, et cela depuis quand même un certain nombre d'années, à tout le moins depuis cette dernière décennie, que les Québécois éprouvent toujours de plus en plus le besoin de retourner à leurs sources. Peut-être pas pour y trouver, si vous voulez, des modèles de conduite. Oui. Mais, et c'est là peut-être que j'ai une divergence...
qui n'est pas grave, avec mon ami Dumont. Il me semble que mon ami Dumont insiste beaucoup plus sur les contenus de la culture que sur la forme culturelle. C'est-à-dire que il me semble que la meilleure façon, si vous voulez, de se réenraciner, c'est à travers plutôt une forme de vie qu'à travers des contenus manifestes. Vous, ce que je veux dire, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on ait intérêt du tout à essayer, si vous voulez, de faire revivre certains contenus culturels, mais certaines formes de vie, certaines formes culturelles, justement, y gagneraient. Et c'est dans cette mesure-là où nous serons dans cette continuité, si vous voulez, non pas de contenu, mais de forme, qui admet, si vous voulez, plusieurs contenus à l'intérieur d'une même forme, n'est-ce pas? Et c'est peut-être une différence que j'ai avec mon ami Dumont, que lui, à certains moments, je le crois plus porté vers les contenus, n'est-ce pas? Alors, moi qui suis un anticlérical impénitent, je vois ressurgir, si vous voulez, la religion, etc. Et d'ailleurs, la question, c'était, on en avait discuté à un congrès international, la question s'était posée, par exemple, pour les Arabes, si vous voulez. Alors, vous aviez des gens de gauche qui étaient quelquefois assez passéistes et qui faisaient revenir des contenus assez peu ragoûtants, n'est-ce pas? Et j'écoutais Potard hier soir à la télévision, et en Iran, ça se passe de cette façon-là. Il y a une part de stratégie, bien sûr, mais il y a aussi une part de substance. C'est que l'ayatollah Khomeini et les communistes, ils l'ont rendu ensemble. C'est-à-dire, à ce moment-là, pour peut-être faire revivre, si vous voulez, certaines parties de la culture islamique qui sont peut-être assez, des contenus qui sont assez en discordance, mais on peut plaider, si vous voulez, pour une continuité dans la forme culturelle et qui admettrait des contenus plus adaptés, si vous voulez, à ce que nous nous sommes fait devenir depuis des décennies et des décennies, et dans leur cas, des siècles. Je vous relis un passage d'une chose que vous avez écrite. Nous devons constater que nous vivons à une époque où le monde ordinaire travaille peut-être davantage à la connaissance et à la critique de la société que les professionnels de la science sociale. Ben, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est quelque chose que j'avais écrit dans un mouvement un peu d'humeur, que je ne regrette pas d'ailleurs, dans une revue qui est chez vous, la revue Recherche sociographique, et... c'est-à-dire que si nous nous regardons, n'est-ce pas, nous n'avons pas beaucoup à nous plaindre de la société existentiellement. La plupart d'entre nous sommes très bien payés. Et pour mettre un professeur à pied, ça prend la croix et la bannière et c'est très long. Non? Alors que le gars de la construction dit, on va lui dire demain, mon gars, hein, c'est terminé, tu t'en vas. Et il y a des gens qui se battent quotidiennement, n'est-ce pas, contre le système. Il y a des gens qui, par, je sais pas, le théâtre, le cinéma, même d'autres, si vous voulez, professions intellectuelles ou artistiques, qui sont beaucoup plus sur la ligne de feu que nous. Hein? Bon, on prend les Filles ont soif. Bon, c'est une pièce qui essaie de conscientiser les gens vers une certaine réalité. Et... ça m'est venu aussi, je l'ai publié dans la revue Possible, je sais pas si c'est publié textuellement, mais j'ai connu un animateur culturel en Gaspésie qui me disait, monsieur, nous c'est 24 heures sur 24 qu'il faut combattre les compagnies, puis le gouvernement, puis les petits gros du coin. Hein? C'est 24 heures sur 24. Nous autres, bon, les intellectuels, les professeurs, etc., qui avons chacun nos niches, on combat l'autre niche, on se combat entre nous, parce que quelqu'un a dit que les sociologues ou les autrologues avaient beaucoup à se dire entre eux, mais pas beaucoup à dire au monde. Hein? Ouais. Et c'est les congrès, si vous voulez, très savants, où M. X discute, etc., ils se parlent, ils peuvent se parler des nuits,
sur... Mais ils disent pas grand-chose au monde. Et ils sont pas pris, si vous voulez, avec ce sacré quotidien. Hein. Les gars qui se sont fait électrocuter, ou pas électrocuter, mais hier, c'est à Boirmont, je crois, 5 morts qui travaillent des matériaux absolument corrosifs. Et... Bon, ben, ces gens-là, ils finissent par comprendre comment ça se passe dans la société. Ils sont peut-être davantage critiques de la société. Et bon, j'ai eu la chance de travailler en Gaspésie où les gens sont devenus d'une lucidité, ou certains d'entre eux en tout cas, extraordinaire par rapport à la société. C'est-à-dire, ils ont une espèce de grille d'analyse maintenant, et puis c'est dans leur comportement quotidien. Hein? Alors, c'est dans ce sens-là que je disais ça, c'est-à-dire pour essayer de que nous sortions, si vous voulez, de notre bonne conscience et de nos niches. Oui, parlant de niche, on dit aujourd'hui que les intellectuels sont au pouvoir. Est-ce qu'ils sont bien nichés? Oui. Ben, ouais. Mais là, c'est un sacré problème. C'est-à-dire que si vous êtes intellectuel sur la place de Paris, bon, vous changez d'idéologie, vous adorez ce que vous avez brûlé, vous brûlez ce que vous avez adoré, vous êtes dans le logos, bon. Bon, parce que vous êtes quand même dans une société indépendante politiquement, et puis vous n'avez pas 3-4 choses à faire à la fois. Hein? Oui. Bon, ici, on a tous les problèmes, bien sûr, des Français, parce qu'on vit dans le monde, on est du monde. Hein? Et Dieu est mort, l'homme est mort, et là, voilà que Marx est mort, disent-ils à Paris. Alors, Ça crée des émois. La mort de Marx crée des émois beaucoup plus grands que la mort de Dieu qu'avait annoncé Nietzsche et celle de l'homme qu'avait annoncé Foucault. Alors là, il y a une turbulence idéologique extraordinaire. Bon, nous, on est tributaires à ça, on est partie prenante, etc. Mais en plus de ça, il faut faire l'indépendance du Québec. Hein? Alors ça vient surdéterminer toute cette... ce maelstrom, vous savez, ce mouvement brownien qui se passe. Alors, c'est pas facile, vous savez. Et vous vous dites, c'est-à-dire, les intellectuels qui sont au pouvoir, bon, pour en nommer, qui sont nos collègues et nos amis, mais je les admire, je ne dis pas que je partage toutes leurs opinions, mais je les admire énormément parce que là, bon, ils ont peut-être les mains impures, mais c'est parce qu'ils ont des mains. Mmh. Tandis que nos amis qui de très haut les critiquent sont purs, mais ils n'ont pas de mains. Mmh. Alors, là-dessus, je serais très, très nuancé et je ne me sens pas le goût ni le désir de lancer des cailloux. Parce que je suis tellement anarchiste de certains côtés que simplement d'aller se mettre dans la bureaucratie et dans l'État. Monsieur Rioux, reprenons la question autrement. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils font leur possible. Je demandais à un de ceux que je connais le mieux, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous faites? Ben, dit soir en couchant, dit, et j'ai assez poussé. Et quand je me relève le lendemain matin, j'ai dit, sur quoi je pousse? Ouais. Bon, ben, c'est peut-être une boutade, mais je crois que la République des professeurs, il faut y passer. Mais c'est peut-être un des bons moments pour passer ce stade de la République des professeurs. Bon. Alors, dans cette question de faire l'indépendance, il y a le vieux problème de l'identité du Québécois, n'est-ce pas? Mmh. Vous en avez parlé dans les Québécois. Mmh. On est d'abord Canadien-Français, ensuite Québécois. Vous mettez tout ça, puis vous brassez ça, français, américain, canadien, bon,
Ben, c'est ça, puis ça donne un Québécois bariolé avec une ceinture fléchée. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mm-hmm. Mais nous sommes amnétiens au possible. Hein. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas de peuples qui se sont posés la question « qui sommes-nous? Hein? » Nous sommes de la postérité de l'abbé Moreux. Ou Thomas Moreux. Où allons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Etc. On se pose la question. Et c'est Hamlet, c'est le problème d'Hamlet aussi. Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours l'idée que c'est par les défis que la vie se pose en s'opposant, si vous voulez. Et je parlais le printemps dernier avec un professeur de renom de London School of Economics et parlant du Québec et du Canada, il a dit « Enfin, on commence à s'intéresser à cette vaste grisaille qu'était le Canada, parce que vous commencez à poser des problèmes. » Des problèmes d'identité, des problèmes d'américanisation, des problèmes de projet de société, etc. Et les Londoniens ne veulent pas entendre parler du Canada parce que pour eux, c'est le comble de la grisaille et de... Alors, je crois qu'il vaut mieux de ce temps-ci vivre au Québec. Au moins, on essaie de poser des problèmes. On essaie de les résoudre. Et pour moi, c'est la vie. C'est autrement, si vous voulez, on s'enferme dans son cocon. On devient complètement américanisé. Parce que, bon, il y a 2 ans ou 3 ans, non plus longtemps, j'avais fait un séminaire avec des gens de tout le Canada à Carleton University. Et de la vie de tout ce monde-là qui venait de l'Ouest, de l'Est, partout, le Canada avait atteint le point de non-retour dans l'américanisation. Bon. Mais nous, à cause de tout ce que vous savez, on a peut-être une chance de survivre, de faire quelque chose qui nous ressemble avec cette société-là, bâtir un pays. Et je crois que, ça, comme sociologue, je l'ai déjà dit à la télévision à Toronto, j'aime mieux comme sociologue bâtir un pays avec mes compatriotes, ou essayer de bâtir un pays avec mes compatriotes, que d'essayer d'avoir une note inframarginale dans un texte américain. Note que vous n'avez d'ailleurs pas souvent. Alors moi, c'est un peu ça. Le mot de la fin, peut-être, ce que je pourrais dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous commencez à déboulonner les idoles, et puis si vous commencez dans cette époque de turbulence idéologique, n'est-ce pas? Alors, je pense que j'ai l'esprit si mal tourné que, alors que les marxistes, dits économistes, prennent le travail, moi j'ai envie de prendre le jeu et la fête comme élément d'étude et élément de subversion, je sais pas, de la société capitaliste avancée ou industrielle. C'est peut-être ça le mot de la fin. Alors merci, Monsieur Rioux.